Barbe, j'ai 34 ans, très prochainement 35. Je suis donc le maire de la commune de Cussac-sur-Loire depuis le printemps 2020, après avoir siégé au conseil municipal dès 2008. Je m'appelle Marie-Laure Munier, j'ai 33 ans, maman de 3 enfants. Je suis conseillère départementale sortante depuis 2015 et en charge du manger local et bio depuis 2018. Élue de la commune de Saint-Paul-de-Tartas, maire en 2020. Nous avons constitué une équipe jeune, dynamique et représentative du territoire avec Marie-Laure et également avec Jérôme Bailly, le maire du Brignon, qui accepte d'être mon suppléant dans cette aventure et qui apporte à la fois son expérience et son dynamisme. Je suis très heureuse d'avoir à mes côtés Céline Debar, qui est ma suppléante, première adjointe de Saint-Christophe-sur-Dolezon, et je sais pouvoir compter sur sa vivacité et sa réactivité pour nous faire remonter des situations critiques. Le rôle du conseiller départemental, c'est à la fois d'être sur son territoire au plus près des élus pour les accompagner dans leurs projets, mais surtout aux côtés des habitants pour entendre leurs besoins et ensuite de siéger au département pour faire valoir ses besoins, les défendre et y apporter une solution. Un conseiller départemental, c'est déjà un élu de proximité pour moi. C'est un élu qui a les mêmes préoccupations que les habitants. C'est un élu qu'on peut croiser en allant acheter son pain. C'est un élu vraiment de terrain. Et c'est aussi un élu qui a pour rôle de faire remonter les préoccupations de son canton au sein de l'Assemblée départementale, une assemblée composée de 38 élus qui doit défendre les intérêts de la Haute-Loire. Alors, le canton du Velay volcanique, il a la particularité d'être particulièrement vaste par son territoire. Il est composé de 23 communes, de 2 EPCI, la communauté d'agglomération d'un côté et la communauté de communes de l'autre, pays Kerpradel. Il va donc des portes du Puy-en-Velay au nord jusqu'à la frontière avec la Lozère et l'Ardèche au sud. C'est un canton avec une richesse patrimoniale et naturelle incroyable, de la Haute-Vallée de la Loire à la Haute-Vallée de l'Allier, en passant par ce magnifique plateau du Deleuze. La qualité de Marie-Laure, c'est qu'elle est efficace, motivée et organisée. Les qualités de Rémi donc, sont sa qualité d'écoute, son dynamisme et sa réactivité. Et puis son petit défaut, c'est qu'elle n'est pas très connectée sur les réseaux sociaux. Et les défauts de Rémi, son humour taquin. Pour les élections départementales dans le canton du Velay volcanique, soutenez une équipe jeune et motivée. Votez pour nous.